Ouais, je vais lire vos messages. Ouais. Kala, quelque chose est tombé, viens prendre. Comment vous allez mes impactés? Bon. Viens, 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 viens en arrière là, en arrière du téléphone. Vous allez bien, Massangé Diaby. Est-ce que tu sais que ma bouteille est tombée? Dépêche-toi, faut pas que tout le monde. Ouais, Franck Daniel. Ouf. Bon. Donne-le-moi. Il est tout versé là? Il est fini? Non. Il y en a encore? Oui. Ouh là là, ça a tout versé. Tu peux m'envoyer un autre? Comment vous allez? Oh, bonne fête du Canada. Ouh là là, on profite, maman. Massa. Il a dit que les immigrants sont heureux au Canada. Ils sont heureux. Ouais. La bataille de Kirina. Voici le crocodile là. J'espère que c'est un crocodile ou bien si c'est un alligator. Dans la bataille de Kirina. Et le voilà. Maman. Aussi. Le crocodile a dit que lui il peut contre le. Quoi? Lui il peut contre qui? Bon, lui il peut contre qui là? Attends. Voilà. Lui, il peut contre le homard. Le homard dit que moi, je suis le roi de la, je suis le roi de la mer. Donc, voilà ça qui est là. Le gros homard et le crocodile. La bataille de ça. Ouais. Ndate Ndiaye, comment va? Oui. Pardon? Camille? Mais dis-le moi, je vais l'épingler. Voilà, je vais épingler. Aujourd'hui, c'est la fête du Canada, on va jouer ensemble. On est heureux. Parfait. Voilà. Oh. Comment vous allez? Ah, je prends du bon temps. Je prends du bon temps. Il faut profiter de la vie. Profitons de la vie. Ouais. Très rafraîchissant. Eh, hey, Amadou So, comment vas-tu? Mon fils, depuis le Maroc, tu vas bien. Aïe. Maman, c'est ça qui est là-haut. C'est pas piscine au commun. Comment on appelle ça? Comment dire que quoi? Au commun. C'est pas au commun. Résidentiel privé, s'il vous plaît. On n'est pas riche ici. On n'est pas riche. Au Canada, j'ai jamais parlé de la richesse. Wendy, tu peux m'envoyer un chose. Ça, c'est versé. On n'est pas riche. Tu regardes au réfrigérateur. Ouais, on n'est pas riche. Ça fait un an et demi ici sur les réseaux sociaux. Vous m'avez entendu parler du mot riche? Jamais de la vie. Parce que je connais quand, ça dit comment les riches sont au Canada. Je connais les riches. Pour parler de riches là, on te parle de 2 à 3 résidences secondaires. D'abord. C'est bon? Ensuite, il y a des enfants pour enseigner tes enfants. C'est-à-dire, il y a des professeurs pour enseigner tes enfants. Merci. Quand tu es venu là, tu viens dans le coin ici. Tu peux venir là. Mais il faut protéger les cheveux. Hein. Tu sais que j'ai bien souffert pour ça. J'ai souffert. Je suis resté quelqu'un pour tresser ça. Donc, il faut les protéger. Vous comprenez? On profite de la vie. Quand je parle du Canada, aujourd'hui c'est la fête du Canada, 1er juillet. C'est un peu morose, c'est un peu triste ici parce que, bon, vous savez, les gens de la Première Nation, ils ont découvert
Il dit, Lauriane Bayro, tu prends le maillot, d'accord. Faut venir. Il y a des gens de la Première Nation qui avaient été tués dans les années passées. Ils ont découvert des corps, tout et tout. Donc, ça a rendu la fête un peu triste. Sinon, habituellement, on va à Ottawa. Je serai à Ottawa. Chaque 1er juillet, normalement, c'est la fête à mon ami Lucita Malvoisin. On va à Ottawa. On va passer du bon temps. On va assister au défilé, mais malheureusement, cette année, on ne peut pas parce que la fête du Canada, c'est un peu triste en ce moment. Mais je suis là pour vous dire que, bien que bon, ce soit un peu triste, là, on profite des bons moments. On profite de la vie. Profitez de la vie. Ce n'est pas une question de richesse. Mais c'est une question de commodité. C'est une question de qualité de vie. Ce que je suis en train de vous montrer là, ce n'est pas la richesse. Pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai dit que la piscine, ce n'est pas un luxe au Canada. Qu'est-ce qui n'est pas un luxe? Vraiment, je ne sais pas ce que vous appelez le luxe, mais ça, ce n'est pas le luxe. Ici, même quand tu te vantes avec tes vêtements de marque, les Québécois vont se moquer de toi. Ils vont te trouver ridicule. Comme je vous ai dit ici, c'est les personnes âgées, les dames qui ont fait la retraite, qui ont déjà eu leur retraite. C'est elles qui portent les vêtements de luxe, tout et tout. Quand je dis luxe, luxe, pas les luxes, il y a des niveaux. Hein? Ah ouais, c'est ça. Tout ça, on connaît. Ici, c'est la qualité de vie. Nos enfants ont chacune une chambre. On ne va pas se présumer riche et puis on partage les mêmes chambres avec... Tous les enfants sont dans la même chambre. Attendez votre tour. Koulibaly Lassina, Inch'Allah, Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas. Aujourd'hui, c'est 1er juillet. On a des compatriotes qui ont acheté des maisons partout, partout, qui nous ont appelés. Oh, j'ai acheté ma maison. Félicitations à vous. On a un qui a acheté la maison. Il a 4 enfants. Il a pris 6 pièces. Bon, je ne vais pas compter. Quand on dit 6 pièces même, je compte juste le nombre des chambres. Il a pris 6 chambres. Parce qu'il a 4 enfants. Il dit... Il veut que les enfants restent longtemps à la maison un peu, quand ils tombent à l'université. Donc, chacun a sa chambre. On a une aussi à Gatineau, pour respecter toujours la discrétion, qui ont acheté leur maison à Gatineau. Gatineau, c'est pas loin d'Ottawa. Oui, la chaleur à Vancouver fait près de... Mon grand frère m'a appelé, il s'en inquiétait. J'ai dit, non, rassure-toi, j'ai de l'air conditionné dans toute ma maison. La maison, c'est l'air conditionné, toute la maison. Et puis, j'ai la piscine. Quand il fait chaud, quand il fait trop chaud, puis on voit que ça ne tient pas, on descend dans la piscine. Donc, ce n'est pas une question de luxe. C'est une question de qualité de vie. Tout ça, c'est la qualité de vie. Il fait très chaud à Vancouver. Phyllis Guédé, comment vas-tu? Je vois tes commentaires. Merci beaucoup. Je vois ça sur d'autres pages. Merci. Merci. C'est gentil. Ben, je ne peux pas me prétendre riche là. Et puis bon, les enfants dorment dans les mêmes chambres. Quand je suis riche là, chaque enfant a sa chambre. Nous, on a ça au Canada. Donc, c'est la qualité de vie. Voilà, les riches imaginaires. Est-ce que c'est parce que je porte des marques là que je vais dire que non, je suis riche? Non. Mais comme je vous dis... Les immigrants au Canada ne se réclament pas riches. Les immigrants au Canada, on parle du Canada parce qu'il y a une belle qualité de vie. Voilà mon voisin qui est là. Il est venu nous demander les renseignements. Ah ben cette année on veut acheter la piscine, comment on fait tout et tout. On lui a donné toutes les informations. Voilà la piscine. Il n'arrive même pas. Il n'arrive même pas tellement ils sont occupés par le travail. Il nous a dit ben finalement on achète la piscine, l'été est en train de passer. J'ai dit c'est pas grave, un jour prenez une journée très ensoleillée où il y a une forte canicule. Et puis vous venez, bon, mon voisin c'est un Chinois, hein, donc vous pouvez comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Ben, on ne peut pas aujourd'hui parler des réseaux sociaux sans parler du général Makosso. Le général, je viens te mettre à l'honneur ici. Je te mets à l'honneur, mon général. C'est dans cette même piscine, il avait fait une vidéo quand toi par le passé. Ça, c'est le passé. La Lolotte et moi, tout et tout, on s'est réconciliés, tout ça. Mais j'ai vu que ta fille a eu le bac. Mais bac là, on a mis dessus bac français. Hein?
Donc, quand c'est bac de Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'on avait besoin de préciser que c'est bac français? Donc, ça veut dire que le bac français qu'elle a eu là, c'est important. Ça veut dire que ça l'amène quelque part. Quand tu as eu un bac français, c'est pas pour aller à l'université de Cocody où vous êtes entassés là-bas comme des sardines. Ça veut dire que quand on a eu bac français, on s'en va vers la France, on s'en va vers un autre pays. Donc, mon général, je te tire le chapeau ici. Mm-hmm. C'est pas donné à tout le monde. Mm. Un bac français, bon, je ne sais pas si bac français, là, ils ont leur épreuve à part ou bien si c'est le même bac de tout le monde. Mais quoi qu'on dise là, comment elle s'appelle? Kimi ou bien Kim? En tout cas, Kim ou Kimi, en tout cas, chapeau à toi, mon général. On a dit tout ce qu'on veut sur toi. Moi-même, je suis ta première critiqueuse. J'étais critiquée ici, tout et tout. Mais quand c'est bon, il faut reconnaître. Quand c'est bon. Je vois sur les pages, on écrit bac français. Donc, le bac des Blancs, c'est bon alors? Ah oui, quand on dit français, c'est pas on veut préciser que le bac n'a rien à voir avec les bacs Niamselé qui sont là-bas. Merci beaucoup, hein. Soleil sucré, soleil. Mais si elle dit je suis riche là, chaque enfant doit avoir une chambre, ça c'est clair. Si elle dit je suis riche là, chaque enfant au moins une chambre. Mes enfants n'ont pas une chambre. Ça, au moins mes deux enfants, mes trois enfants, mes quatre enfants dorment dans la même chambre. Si lui superposé, je vais dire, je suis riche. Arrêtez un peu. Ah, ça dit, calmez-vous un peu. Calmez-vous. Calmez-vous. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, comme on dit, tu vas avoir ton baptême de feu. Tu as vu ton baptême? Il y a eu mon baptême de feu. Je l'ai dit. Partagez la vidéo. Parce que c'est les choses que vous aimez. Vous aimez ça. Je parlais de tout le site, le pagne. Il n'y avait pas 400. Mais n'oubliez pas, hein, le pagne est là. Vous allez être là. Vous allez être connecté. Tu viens sur les réseaux sociaux. Tu vas te jouer les dangaba. Tu vas voir ta part. Tu vas voir ta part. C'est dans cette même piscine-là que j'étais en train de faire direct, en train de m'amuser. Quand quelqu'un m'a posé un commentaire, pour tu t'as djinzin. J'ai dit, aïe, ah, pour tu m'as dit un comment. Mais quand c'est comme ça, tu vois le commentaire et puis tu fais comme si tu n'as pas vu. Mais quand il m'a dit un, en ce moment, j'étais dans le frère ivoirien qui m'a insulté et puis après, il avait porté plainte contre lui, tout et tout. Et puis après, j'ai supprimé la plainte. Donc, je me suis dit que c'était dans ce contexte-là. Si vous avez la mémoire, je lui ai même répondu pour dire, mais il m'a dit un, là, si le frère m'a insulté, c'est normal que je porte plainte contre lui. Il y avait affaire derrière. Il y avait affaire. Ça là, il n'y a pas trop. Ouais, ça c'est 5%. C'est bon. Pas trop d'alcool. Je ne peux pas prendre. Vous comprenez, non? Il m'a gênzé. On dit, ah, pour tu t'as gênzé. Il dit, hi. Mon petit là et moi, on s'est parlé dans les boss. Il m'a gênzé comment? Bref, ça a donné ce que ça a donné. On m'a collé les motifs. Oh, c'était le mari de sa tante. C'était tant. Jusqu'aujourd'hui, il s'est excusé, j'ai fait une vidéo, tout et tout, que j'ai gardé. Comme moi, je dis, quand je suis au Canada, ici, dans ma ville où je suis, moi, j'ai des projets. Il y a des projets pour le futur. Quand j'atteins mes 50 ans, là, je vais me mettre dans le comité des politiques ici, au Canada. Je préfère la politique chez les Blancs. Par exemple, ils vont te regarder, ils te regardent comme quelqu'un qui peut profiter de toi, au moins tu as rapporté, on te respecte dans ce côté-là. Mais chez nous, là-bas, là, c'est la manger crassie. Coco, comment vas-tu? Donc, c'est comme ça que, bref, c'est parti dans tous les sens. Ça, oui, c'est parti dans tous les sens. Chacun s'est levé, il a dit tout ce qu'il voulait. Elle est comme ça, elle est tant. Monica Z, j'ai dit, j'étais comme, wow, là. Après ça, tout a été dit, tout a été fait. Mais, comme je vous ai dit, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Regardez ce à quoi on a assisté hier sur les réseaux sociaux. Ou bien toute la semaine. Ce à quoi on a assisté. Je profite de ma vie. Le jour que je meurs, c'est fini. Je profite de ma vie. J'ai déjà fait mon testament. Donc, oui, je suis là. Si elle meurt déjà, la part de Wendy est là. Je ne vais pas mourir avant ma mère. C'est mon seul souci. Sinon, à part ça, la vie continue. Facebook aujourd'hui,
C'est la bataille de Kirina. Vous comprenez? Tu viens aujourd'hui, tu as une maturité. Prends des distances à un moment donné. C'est mieux. Tu peux avoir une personne à laquelle de temps en temps, juste le superficiel. C'est le constat que je fais avec tout ce que j'ai observé en une semaine sur les réseaux sociaux. Mais ma chérie, malheureusement, c'est le dénigrement qui porte sur les réseaux sociaux. Le dénigrement, j'ai eu mal, tout ce que j'ai vu. Je n'ai pas indexé personne. Nous tous, on a vu. Ça est sur les réseaux sociaux, tout le monde peut en parler. Tu vas quitter la France pour venir au Canada? Bon, tout dépend de si tu es en France. Hein. Moi, je connais. J'ai une maman qui est à Bordeaux, qui est très bien assise. J'ai très cher, j'ai beaucoup d'amis. Ça ne donne rien de venir. Venir, mais peut-être plus tard, si les enfants rentrent dans le baccalauréat, si vous avez les moyens. Mais est-ce que vous savez que quand vos enfants... Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une entente entre le Québec et la France? Malheureusement, parfois, vous êtes remplis de haine que vous n'écoutez pas ce que je dis. Mais pas tout le monde, Dieu merci. Pas tout le monde. Il y a une entente entre le Québec et la France. Donc, vos enfants qui sont nés en France, je crois qu'ils tombent dans le 18 ans. Ils ont une entente entre le Québec. Quand ils rentrent ici, les études, ça ne coûte pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Vous comprenez? Malheureusement, c'est le dénigrement. C'est le dénigrement. Je suis une personne honnête, donc je ne peux pas, comme on dit, je ne peux pas accepter ou bien je ne peux pas me réjouir de quelqu'un peut-être qui subit un dénigrement ou bien qui subit quoi que ce soit. Non, je ne peux pas me réjouir de ça. J'avoue que j'ai vu ça ce matin. Ça allait serrer mon cœur. Je ne peux pas te mentir. Mon cœur a serré. J'ai dit, mais est-ce qu'on avait besoin de ça? Pourquoi on en est arrivé à de telles extrémités? Mais parce que tu n'as pas encore tiré les leçons. Parce que quand je t'entends parler, tu n'as pas encore tiré les leçons. Je te conseille la reculade. Recule, ma chérie. Je vais t'appeler ma chérie, tu n'as eu le respect. Parce que ce qu'on a vu, ce n'est pas bon. Comme on dit dans mon dialecte, les enfants même étaient là. Maman, le premier jour que je t'ai parlé, je t'avais parlé à un respect. Je t'ai pas manqué de respect. Je t'ai parlé à respect, tout le respect. J'ai même mis dans le dialecte pour faire un peu d'humour. J'ai dit, il y a un homme qui, je ne te connais pas. Et puis, je ne te connaissais pas vraiment. Mais tu avais récupéré. Alors que, on a beau dire qu'on passe par les clashs pour se connaître, mais ce n'est pas la bonne façon. Ce n'est pas la bonne façon. Je mets mon chapeau. Cette année, on a un été qui est très chaud, mais on n'a pas de soleil. C'est pour ça que, il faut chauffer les piscines. Faut chauffer la piscine. Bah, même quand ta piscine est chauffée, même s'il fait, il fait nuit, il fait quoi, tu peux te mettre dans la piscine comme en ce moment. Riche, je vends mon pain. Je fais la promotion de mon pain. Tantôt tu n'as pas vu. Et puis bientôt je vais vendre les produits Vivier. Mais ça, je vais en parler quand ça va arriver. Malheureusement. C'est les dénigrements, c'est tout ce que tu veux qui donne sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de ça. Essayons de réorienter notre blog, nous les adultes. Réorientons notre blog. Il y avait le bon côté. Le blog était intéressant, même quand on retourne 3 mois en arrière. Le blog était tellement intéressant avec l'humour, tout et tout. Oui, on enlève le côté où, bon, les petits heures se déchiraient. Bon, ça, c'est leur côté. Les petits heures se déchiraient, mais nous, on les regardait, on essayait d'arranger comme on peut.
C'était encore plus intéressant même cette période-là. Mais malheureusement, regarde comment on a pu te pousser à bout. Ah oui. Regarde comment ça s'est passé. C'est pas plaisant pour moi. C'est pas plaisant, pas du tout. Faut retourner à tes anciennes amours. Retourne à tes anciennes amours. Oui, c'est vrai, les anciennes amours, les sujets, trucs constructifs, ça ne rapporte pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas faux. Après, j'ai parlé du pain, tout le sud, tout et tout. C'est les fla-fla, les trucs, tout et tout. C'est ça qui rapporte sur les réseaux sociaux, malheureusement. Voilà, ça, je sentais l'effet fla-fla. Voilà. Et quand il y a atteint peu de temps, tout le sud, ça va être là. Comme je dis que je ne tiens plus. D'ailleurs, même pourquoi il est venu attaquer? Qui m'a attaqué? Qui ne m'a pas attaqué? Vous comprenez? Mais comment on t'a vu hier ou avant-hier? Tu pouvais piquer une crise devant les enfants. Les petites filles étaient là. Maman, quand je fais ta première vidéo, je t'ai dit, t'es jolie fille. Je t'ai appréciée. Je t'ai jamais rabaissée. Ça dit qu'un moment, ma dodo, ses os. Je t'ai pas mis en bas, maman. Je t'ai pas rabaissée. Je t'ai pas rabaissée. Bien au contraire, j'ai fait un peu d'humour. Mais tu as pris ça d'une manière. Tu as pris. Des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas te parler. Ça sort de nulle part. Ça vient te parler. Vous comprenez? C'est pas bon. Les immigrants sont heureux au Canada. C'est une réalité. C'est une réalité, malheureusement, qui vous choque. Il y a mes impactés qui sont mariés aux Québécois qui m'appellent. Il y a des Québécois qui m'appellent. Ben, j'ai vu ta vidéo. Enfin, les Québécois aiment quand on parle du Canada. J'ai vu ta vidéo, tout et tout. Oui, tu as vu ma vidéo, c'est vrai. Les immigrants, on est heureux. On est bien. Nos enfants sont bien. Pas parce que où vous êtes là-bas, ça ne va pas. Non. Là-bas où vous êtes, c'est le comportement que je critique. Ah oui, je vais continuer de critiquer ce comportement-là. Je critique toujours. Je critique. Voilà, on dit on a eu bac français, on fait à Talakou. Au lieu de dire que Kimi a eu bac seulement, on dit elle a eu bac français. Donc, ça veut dire que le bac de chez les Blancs est important. Kimi a eu bac, mon cher. La fille du général a eu bac, ça ne chauffe pas. Félicitations, mon général. Tu m'as fait couler les larmes. Il n'y a pas dit, toi, pourquoi on dit, je cherche l'amitié ou bien... Oui, je suis bien là. Maman, j'ai regardé, ça dit ma soeur. Quand j'ai dit ma soeur, une ivoirienne, j'ai senti comment tu t'es senti. Ça dit, j'ai vu ça, j'ai vu quelque chose en toi. J'ai dit, wow, voici comment les réseaux sociaux peuvent faire basculer des gens. Je t'ai vu. Ça dit, j'ai regardé ça ce matin quand je me suis réveillée dans le lit. J'ai dit, wow. Puisque je ne te suis pas, c'est une petite vidéo de quelqu'un qui a quelqu'un a coupé la partie où tu étais wow comme ça. La personne a coupé. Vous regardez mes petits seins. Il a dit qu'avant, quand on dit, quand je n'avais pas encore maigri, les loulous étaient là. Mais ce n'est pas grave. Dieu fait grâce. La santé est mieux. C'est la même chose. Quand on avait dit que le monsieur que j'ai connu, même jusqu'à aujourd'hui, le commentaire me suit sur YouTube. Hein? Le commentaire, j'ai vu il y a comme 3 semaines, quelqu'un a dit, tu as pris le mari de ta tante. Quelqu'un a dit ça, ça m'a fait rire maintenant. Mais dans le temps qu'on a dit ça, mon Dieu, je suis tombée des nues. J'ai dit, mais comment, où ils ont pu aller enlever ça? Qui allait créer que je suis allée? Juste quand ma fille est venue me dire, maman, on dit que la tante va appeler dans un direct là-bas. J'ai dit, quelle tante? Que non, la tante, qu'elle était, c'était elle qui était papa. Oh my God. Oh my God. Je lui ai dit, non, tout ça, c'est des histoires.
Mais où tu as vu ça? Elle a dit non, quelqu'un a partagé sur YouTube. Et puis, un de mes amis m'a envoyé. Donc, j'ai compris la douleur que tu as ressentie hier. C'est pas si c'est hier. Moi, j'ai vu la vidéo ce matin. J'ai compris cette douleur-là. J'ai compris ça. Et surtout que, ça dit que mon ex-copine te disait, les enfants sont derrière. On est tous des mères. Est-ce que ça, j'ai dit que, elle te disait ça. J'ai compris. Là. Ça dit, je me suis mise à ta place. Recule de tout ça. Recule. Il faut reculer. Prends tes distances, regarde. Tu restes. Oui, c'est vrai. C'est Nya. Roland, Ayo Nya. Mais en camon, ma message là, on est au Mouroudé. Je t'ai laissé un message là. Toi, tu ne m'as pas répondu. Hein? Dis-moi, camon, bête, boudjigban. Message intimement, on est au Mouroudé. D'accord. Vous savez que les bêtés, ils sont comme les guéris. Ils ne peuvent pas parler sans mettre un mot français dedans. Sauter, j'ai dit wow! Mais je t'ai comprise. J'ai compris comment tu te sentais. Retourne au livre. C'est pas méchant. Je t'ai dit ça une fois, je t'ai traité de tout. Mais Nia, quand tu parles, on m'a dit que. Elle a dit, Monique, je t'ai entendu, Monica, Nia, quand je t'avais laissé dedans, c'est pas parce que j'avais peur de toi. Oh, maman, c'est ça là, j'avais vu venir. À quoi ça, je t'avais laissé? Sinon, je n'ai pas peur de toi. Monica m'a laissé, mais je t'ai laissé, mais regarde où tu es. Où dans la boue, où on t'a mis. Tu crois qu'on t'a mis dans cette boue où je t'ai vu hier? Ça dit, on sentait le cœur monter là. Mm-mm. Tu comprends? Ne pas me réjouir de ça. Ne pas me réjouir. Ne me réjouis pas de ça, mais il faut prendre les distances un peu. Il faut retourner au livre avec les enfants. Maman, je suis, vous voyez mon français, non? Je suis maman lecture, je suis maman libre. C'est pas, on ne peut pas rien parler de tout. Je faisais la lecture à Wendy toutes les nuits quand elle était petite. Je lui faisais la lecture. Aujourd'hui, mais il y a des mots français, elles sont, je dis, toi, tu vas me dépasser. Je faisais la lecture avec elle jusqu'à ce qu'un matin, maintenant, un jour, j'ai reçu de la visite, un week-end, vous voyez, vous avez des amis, et puis bon, elle me dit, viens, comment on appelle ça, maman, on va faire la lecture? J'ai dit, ok, on va faire la lecture. Dans faire lecture là, Wendy, j'avais des amis, elle n'a pas respecté le fait, alors que moi, ce jour, je ne voulais pas. Elle a comment fait la grosse crise, j'ai dit, bon, ma chérie. Désormais, je ne fais plus la lecture avec toi. C'est ton papa qui va faire la lecture. Quand elle veut mettre ça sur moi gâté, là, il dit, bon, va être ton papa. Tu comprends? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je ne t'ai pas dit quelque chose de malien. Je parle toujours de ma première vidéo sur toi. Je ne t'ai pas manqué de respect. Mais quand je t'ai vu là, où je t'ai vu hier, je peux te dire que, en tant qu'une mère, laissons affaire des bourgeoises là. Nous, on vit en Amérique. Les bourgeois, on a vu. On a déjà vu. On a vu des maisons où tu t'en vas. On te dit, il faut t'asseoir. Toi-même, tu as peur de t'asseoir. J'ai vu ça à Atlanta, quand je suis partie aux États. J'ai dit, quand on arrivait dans la maison, quand on a vu la propriété, j'ai dit, j'étais comme wow. À l'époque, on n'avait pas l'idée de filmer. Je retourne combien? 5 ans en arrière, Atlanta, aux États. On n'avait pas l'esprit de filmer des trucs. Hein. J'ai dit, quand on est rentré dans moi-même, j'ai eu peur de m'asseoir dans la maison des gens aux États-Unis. On n'a pas besoin du midi. La personne qui m'a envoyé là-bas, c'est par son ricochet, tout et tout. La richesse de ça. Mais chaque jour, on chante sur les réseaux sociaux. J'ai l'argent. Je suis riche. Tu es riche, oui, effectivement. Tu as une richesse peut-être intérieure. Tu es en paix avec toi. Ça, je comprends. Parfois, je comprends ton message. Il a dit, tu peux, il m'adresse à toi. C'est à toi qu'il m'adresse. Tu sais qu'il m'adresse à toi.
Pas toujours tu m'indexes dans tes bidons, on me dit. Même Papita qui est hier, on m'a dit. Monica, j'ai dit wow. Bon, c'est pas grave. Mais quand je t'ai vu ce matin. Voilà. Rien qui te suive là, bon. Tu es riche, oui, tu as une richesse intérieure. Ça, c'est possible, c'est vrai. J'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai mon travail, je suis riche, j'ai ma richesse intérieure. Je suis d'accord avec toi. Bon, mais je suis riche parce que j'ai porté Prada. Je suis riche parce que j'ai porté. Il faut quitter dans ça. Il faut quitter. Avec du recul. Quitte dans ça. Parce que où on est sur les réseaux sociaux, là, quand il y a la bataille de Kirina, là, la bataille de Kirina, le homard, là, lui, comme lui, il est beaucoup prisé, là, hein, lui, homard, lui, il est prisé, lui, il croyait que lui, il était plus fort que... Il m'a envoyé le message. Homard, comme lui, il est beaucoup aimé, comme lui, il coûte cher, là, lui, il s'est dit que lui, il était plus fort que le comment on appelle ça, l'alligator ou le caïman. Où vient le crocodile? On est tous les enfants d'une même patrie. Ça m'a fait mal quand je t'ai vu. Lui, il a dit qu'il était plus fort que lui. Le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Tu crois que tu as tout vu? Tu n'as pas encore tout vu. Tu n'as pas encore tout vu, ma chérie. Voilà. Ah, je n'ai pas tout reçu, ma chérie. Je n'ai pas de ça. En France même, vous avez encore les brocantes, vous avez tout. Vous avez des modes de paiement de plusieurs étapes. En France, je le sais. Comme je le dis toujours, je respecte la France en tant que pays. C'est le comportement des Africains là-bas qu'ils détestent. Je le dis, un peu ça ne chauffe pas. Le comportement que vous avez, où vous vous comportez comme des villageois. C'est pour ça que j'aime, ça dit, j'ai du respect pour tous, presque toutes, d'ailleurs même toutes mes personnes pour lesquelles j'ai des choses, elles sont en province. Je le dis, puis ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Qu'est-ce que vous avez dit sur moi, puis qu'à me frayer? Il n'y a pas quelque chose que vous avez dit? Il n'y a pas quelque chose? Ma maison, il y a 3 chambres en haut, il y a 2 en bas. Il y a 5 pièces. 5 pièces pour 3 personnes dans une maison. Donc, il n'y a pas quelque chose que vous avez dit sur moi. Et 5 pièces en haut, en bas, encore même, là, il y a une pièce qu'on m'a fait. Donc, ça fait 6 chambres. Donc, il n'y a rien à vous envier. Cependant, je suis partie en province. J'apprécie comment les gens vivent en province là-bas. Ah oui, oui. J'apprécie comment les gens vivent. Comme une de mes mamans qui m'a envoyé ses photos, elle vit à Bordeaux, tout et tout. Mes filles qui vivent. Ah oui, j'apprécie ça énormément. Ah oui. Vous avez l'avantage, vous avez de gros avantages là-bas en France, quoi qu'on dise. Vous comprenez? Les affaires de vente, de quoi acheter les Hermès, de quoi. Mais il y a les secondes. Et puis chez vous, on peut porter ensemble, on met sur Vinted, on met sur des sites là-bas. Tout le temps, tu payes là-bas. Ça, bon, ça peut intimider des filles qui sont en Afrique, bon, qui rêvent de quoi. Ça peut les intimider. Mais pas moi, l'impacteuse. Non, pas moi. Donc, ce que je te dis aujourd'hui, j'ai eu de la compassion. Pour toi, j'ai eu de la compassion. Je me concentre désormais. Quand il y a les buzz, j'ai venu. Même les buzz, même. Comme tu veux là. Écoutez, je suis dans mon direct, je ne réponds pas aux messages. Après, je vais répondre à tous mes messages. Vous comprenez? On a des brocantes partout. Là-bas même là, vos marques de Louis Vuitton, de Hermès, de quoi. J'ai porté une fois, deux fois, je veux plus. Je mets sur le site, ça se paye en plusieurs étapes. Donc, comment on peut s'identifier aux marques pour dire que je suis riche, même si moi,
Moi, l'impacteur, j'aspire à acheter une résidence secondaire, mais ça ne fait pas de moi une personne riche. Parce que pour dire que je suis riche, mais ça prend des standards. Il y a des standards que je vais aller, qu'on va aller chercher pour que je dise, si, ça dit, pour qu'on me reconnaisse comme riche là. Hey là, hey là. Ben, je suis riche là, je vais vivre dans une maison qui est insonorisée, s'il vous plaît. Mon appartement, oui, on peut être riche et puis vivre en appartement, mais appartement de luxe, s'il vous plaît. Vous comprenez? Quand on dit de luxe là, ben, c'est pas l'appartement où je suis riche là, ben, je suis dans mon appartement, je crie, je fais la fiesta, je crie comme je veux. Il n'y a pas un voisin qui vient me déranger, man. Si le voisin vient me déranger, ça veut dire que l'appartement n'est pas insonorisé. L'appartement n'est pas insonorisé. Donc, on va tous au cimetière. On va tous là-bas. Ah non! Ah non! J'ai fait une vidéo aussi où j'ai dit je crie. Si elle veut crier dans ma maison, ça ne chauffe pas. À tête bain. Elle m'a appelé là, elle n'a qu'à attendre. Tu vas où? Tu vas à Nora Kouchda? Vous venez plus à la piscine? Après? Le soir, ok, c'est correct là. Ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Là, il y a du soleil maintenant. Bon. Donnez d'abord vos chambres, même trouvez des chambres personnelles à vos enfants d'abord. Pour venir parler à l'impacteuse d'abord là. Mettez vos chambres dans une. Les adolescentes, elles aiment leur espace. Mettez les adolescentes dans leur chambre. Chacune sa chambre d'abord. Et puis on va venir parler. C'est ça. Aïe, mais c'est parce que maintenant, si c'était avant, l'impacteur serait rentré de côté de. Merci pour les étoiles. Si c'était avant, l'impacteur serait rentré. Si c'était avant là, je serais rentré chez l'autre pour lui dire non, arrête ça. J'allais lui dire, si c'était avant là. J'allais rentrer chez celle qui est en face pour lui dire non, tu ne vas pas faire ça. Sinon, on est tous en famille. Oui, il y a les trucs sur les réseaux sociaux. Mais ce que tu as dit d'elle, je n'apprécie pas. Tu ne peux pas dire ça. Comment vous pouvez dire ce genre de choses? Ne dites pas ça. J'ai toujours dit, maman, quelqu'un qui fait clash à toi qui dit on épargne les enfants, on épargne les mamans. Tu n'as pas vu dedans? Maman, quand il a fait clash à toi, il a dit, j'ai mis dans l'humour le clash des mamans en 45 janvier passé. C'est dedans, il a mis. Donc, ça dit, aujourd'hui, ça dit que la limite que moi, l'impacteuse, je m'étais tracée. Oui, parce que quand on n'a pas de limite, c'est désagréable. Mais quand on n'a pas de limite, ça veut dire que c'est toute l'éducation qui est à la ramassie. Ah oui. Quelqu'un qui n'a pas de limite sur les réseaux sociaux, maman, c'est tes éducations. Oui, je vais dire tes éducations qu'on va les revoir. Parce que si tu as une éducation, tu ne peux pas venir, c'est-à-dire rentrer dans l'intimité, venir dire tout ce que tu veux d'une personne ou bien créer des scénarios. Non. Mais quand j'avais fait, j'ai dit quoi? J'ai dit non, le clash là, c'est entre nous les mamans le 45 janvier. Ok, merci beaucoup. Le temps m'a donné raison. Maman, je n'ai jamais insulté tes enfants. Je n'ai jamais insulté tes parents. Aujourd'hui, j'ai insulté ton physique parce que tu as insulté mon physique. Oui, c'est bien beau de te jouer la victime. Nya. Pataille le direct. Pataille le direct. C'est bien beau de te jouer la victime. Maman, je ne t'ai pas attaqué, sur ton physique pour ton physique. C'est-à-dire, je ne t'ai pas attaqué gratuitement. Je ne te connaissais pas. Je ne sais pas si c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de me remémorer pour savoir qu'est-ce que j'ai bien pu dire à cette fille-là pour que elle soit montée sur ses grands chevaux. Parce que dans ta première vidéo, qu'est-ce que tu as dit? Hein? Je ne te parle pas. Toi et moi, on parle un nana. Un immense, ma gagne ou ma gagne ou bonne.
Ça peut pas aller quelque part. On va se croiser là-bas. Donc, c'est comme ça que j'ai fait cette vidéo. Tu comprends? Là, là, montez le mercure pour partager les amis. Tu comprends? Ça dit, comme on dit embêté, un ne m'a offert mané. La première fois, la maman, un ne m'a offert mané. Je n'étais pas. Ça dit, quand on dit, quand les bêtes disent un ne m'a offert mané, je n'étais pas rabaissé. Tu comprends? Un ne m'a offert mané. La seule phrase que j'ai dit dans ma première. Toi et moi, on a dépassé 46 janvier, maman. Nos visages qui sont là sont durs. Vous comprenez? Tu comprends pas, Léa m'appelle. Non, quand laisser mon direct là, c'est ma copine qui m'appelle, c'est ma soeur. Vous comprenez? La limite que moi je m'étais tracée là, c'est cette limite là qu'on est venu bafouer. Pour venir insulter l'enfant de quelqu'un, pour venir insulter le parent de quelqu'un, pour venir insulter, pour venir créer les scénarios sur quelqu'un. Comme je l'ai dit tantôt, là, ça veut dire que ton éducation est à la ramassie. Maman, tu n'as jamais dit quelque chose de mal. Tu as saisi, tu es partie dans tous les sens. Chaque jour, maman, on me disait, le pâté, il ne faut pas lui répondre. Il a dit, répondre de quoi? Pour qu'elle réponde, il faut que j'aille la regarder. Je ne la regarde pas. Je ne la regarde pas. Mais quand j'ai vu, pour ce matin-là, je ne peux pas te mentir, là, si elle t'a dit que je n'ai pas, je ne peux pas aller regarder ta page. C'est le petit morceau que quelqu'un a mis, comment il se fait, Fifi Yayasi ou bien quoi, qui a mis sur sa page. Comme c'est la politique, souvent j'aime aller regarder, j'ai regardé, j'ai dit wow. Ma nièce ne t'a jamais indexé. Tu as indexé ma nièce. Tout et tout. Il y a des gens qui vivent, ça dit, qui ont perdu même leur futur sur les réseaux sociaux. Toi, tu n'as pas perdu ton futur. On peut se dire tout ce qu'on veut, mais t'as pas perdu ton futur. Excusez-moi. T'as pas perdu ton futur. Attends, on va changer l'angle. Je vois que le soleil dérange là. Tu t'es monté sur tes grands chevaux. Je vais pas te guiser, maman. Pourquoi t'es guinzé, maman? Pourquoi elle t'es guinzé? Oh, tu peux profiter. Soleil aussi, oh. Attends, je vais me mettre là. Maman, d'après Kala, maman, arrange-toi. Hein? Le iPhone 12, là, c'est pas ton Samsung, là. Il dit, ah, téléphone, c'est téléphone. Arrêtez pour vous, hein, iPhone 12. Est-ce que vous me voyez? Mais moi, mais je ne me vois pas, de... le soleil me gêne. C'est la paix, on veut. Oh. Bon, là, vous me voyez là. Maman, moi, mais elle ne me voit pas. Ah, c'est le fun. Le soleil. Prenez. Ah, en tout cas, quand j'avais mon Samsung, il n'y a pas saladé. On dit iPhone, voilà, à fait. Ok, vous dites c'est bon, mais c'est vous qui voyez, moi je ne vois pas. Vous comprenez? Donc c'est ça. Vous comprenez? Tu as pris Monica Zell pour faire ton truc. J'ai dit, je ne te réponds pas. Maman, je ne te réponds pas. On a comment faire, Mani. Je ne vais pas te mettre en bas. C'est qu'on avait fait ça, c'était le clash. Oh, oh, après ça, c'est fini. Monica m'a laissé, mais je t'ai laissé, mais regarde où tu es. On est allé jusqu'à toucher. Ça dit, fouf, laisse tomber là. Ok, on dit c'est bon. Ah, vous me voyez. Ok, ok. Wendy dit que c'est le soleil, maman, ça ne dérange pas. Ah. Ok, d'accord, merci. Donc, vous comprenez. On veut la paix. On veut la paix, maman. Ce sont la paix. Retourne au livre. C'était intéressant.
retourne au livre. On ne peut pas voir une sœur comme ça traîner dans la boue. Mais tu es d'une famille bourgeoise. Les bourgeois, ils aiment ça quand on traîne leur comment on dit ça, une femme qui... Attends, on est sur les réseaux sociaux. J'ai fait une vidéo un jour qui était comme dérangeante. Oui, je dis bien dérangeante. Parce que des gens prennent nos vidéos et puis ils mettent sur des pages. Monsieur Magadji est tombé sur cette vidéo au hasard, comme ça, sur les réseaux sociaux. Il n'a pas apprécié pas à toutes. Il m'a dit, mais Monique, c'est quoi cette vidéo-là? J'ai dit, non, c'est parce que quelqu'un m'avait attaqué. Il dit, non, non, non. Moi, j'ai mon image qui est reliée à toi. Ah oui. Donc, les bourgeois lesquels tu es là-bas, oui, il y a les réseaux sociaux. Il y a toi, il y a moi, il y a tout le monde. Mais en dehors de ça, et les bourgeois là-bas. Les bourgeois veulent que une femme qui est venue marier, qui a des enfants avec eux, veulent qu'on te traîne dans la boue comme ça? Non. Ma chérie, quand j'avais laissé là, c'est pas parce que j'avais peur de toi. Maman, c'est parce que j'ai compris les réseaux sociaux. J'ai compris qu'il y a des gens qui ont perdu même le futur. Ils ont perdu. Il y a des personnes qui font des vidéos sur les réseaux sociaux. Elles ont perdu le futur. J'ai dit que le futur, hein, je n'ai pas dit le passé. Passé, c'est passé. Futur, il n'y a rien là-bas. Tu comprends? Tu comprends? Jusqu'à ce que tu parles de moi dans une vidéo. Oui, c'est ça. J'en parle aujourd'hui, partager le direct. J'en parle aujourd'hui pour attirer. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi cette dame prononce toujours mon nom. Mais l'impactrice ne dit pas son nom. Mais pourquoi toujours elle dit le nom? Mes amis, je ne la connaissais pas. Un nom dit. Je ne sais pas si c'est cette phrase-là qui l'a choquée. Nya, un numéro dit. Maman, je ne te connaissais pas avant. Ce n'est pas que je veux me la péter. Là, me voit, j'ai mon côté naturel. Ce n'est pas que je voulais me la péter pour dire non, elle, je ne la connais pas. J'ai pris ta vidéo, j'ai envoyé un de mes petits qui est informaticien qui rentre au Canada dans un mois et demi. Parce qu'il faisait la procédure et puis il m'a rejoint. Il est dans l'entrée express. Il a même eu le visa tout et tout. Il a pris maintenant son billet. Il rentre au Canada. Malheureusement, on ne peut pas se voir maintenant parce que lui, il s'en va dans, comment on appelle ça, dans le Manitoba. Je l'ai envoyé, je dis, mais cette dame, elle parle de moi. Oui, la dame, et le mot que tu as dit dans la vidéo un jour, même des gens m'ont dit, l'impact, ne l'attaque pas parce qu'on sent qu'elle a de l'estime. C'est-à-dire, on la sent un peu d'estime pour toi ou bien un peu de respect pour toi. Parce que quand elle dit, même juste la façon de prononcer ton nom, Monica, c'est comment elle me prononce, hein? Monica, Monica, elle a une manière de prononcer mon nom. Elle a encore, amenia, mon guariani, qui m'a couché. Tu comprends? Donc, la première fois, on m'envoie sa vidéo. Je dis, mais je ne la connais pas. C'est qui cette dame? À l'époque, je ne savais pas qu'on peut attaquer quelqu'un pour se faire connaître. Je ne savais pas. J'ai dit que Lolo Beauté, je t'appelle ici. Je t'appelle ici. Maman, partagez le direct. Lolo Beauté va recevoir. Partagez. J'ai dit, partagez le direct. Le homard avait dit que lui était fort plus que l'alligator. Lui, comme il est consommé, comme lui, il coûte plus cher dans les assiettes. Hein? On est parti dans une zone du Canada, on s'est dit c'est la ville des homards. On arrive là, on nous met assiette de homard. Quand elle a dit 17 $ ou 18 $. Le roi a dit, mais aïe, c'est pas ici, on dit c'est ville de homard. Là, il a dit, ah, mais c'est ville de homard, mais eux, ils pêchent ça aussi. Peut-être que c'est à quoi ça ils ont pêché. Vous savez, moi, comme. Lui, il regarde à ses dépenses. Et même moi, j'étais comme. Il a dit, ah, mais pourquoi c'est cher ici? C'était où même? C'était à Winnipeg. Non, c'est pas à Winnipeg. Je ne me rappelle plus. En tout cas, une ville du Canada là-bas. Il dit, ah, mais on dit ici, il y a Omar. J'ai dit, ah, pourquoi c'est cher comme ça? Bref, Omar avait dit que lui, il était plus fort que l'alligator. Lolo Beauté. C'est-à-dire, c'est à partir de la vidéo de la lolotte, comme je l'appelle souvent dans mon truc, que j'ai compris le mécanisme de Facebook. Si j'avais compris qu'on peut attaquer gratuitement quelqu'un pour connaître, pour avoir des vues, le jour où j'avais parlé à mon petit frère Apoutchou, il l'appelle mon petit frère, c'est pas moi qui l'a couché, je ne veux pas l'accoucher à cet âge-là. Le jour que je l'ai attaqué, ce n'était pas pour avoir des vues, je l'avais attaqué parce que j'avais vu que la manière dont il parlait à Kamen Sama, je n'ai pas aimé. Tout de suite, je suis sortie. Mais si c'est à refaire, je ne plus refaire. Donc, c'est la vidéo de réconciliation de Lolo Beauté. C'est là que j'ai dit, ah,
Donc, on peut gratuitement attaquer, on peut attaquer quelqu'un. D'abord, Digue Publicite m'a dit ça, il m'a dit, on attaque la personne qui est connue pour se connaître. J'ai dit, aïe. Donc, quelqu'un t'a rien fait. Tu as t'élevé, tu as attaqué la personne. Donc, c'est comme ça. Si j'avais su à l'époque qu'on peut s'attaquer à quelqu'un qui ne t'a rien fait, mais je ne t'aurais jamais répondu, Nia. Je ne t'aurais jamais répondu. Les personnes qui m'ont fréquenté, qui me fréquentent, savent que je suis une personne vraie. Je ne t'aurais pas répondu pour te mettre dans un tel état. Parce que j'ai compris que aujourd'hui, quand je regarde, j'ai dit à une amie hier, ce matin, j'ai dit, mais peut-être que c'est moi qui ai créé tout ça avec cette dame-là. C'est moi peut-être qui ai créé, parce que je ne peux pas imaginer que le fait que je l'ai interpellée, maman, je t'ai interpellée, un me sagna, un me sa, je ne t'ai pas insultée. La première vidéo, je t'ai dit, on l'a appelez-moi, et puis j'ai dit ton nom. Je ne sais pas si c'est le appelez-moi. Je ne sais pas si c'est appelez-moi qui t'a mis dans tous tes états. J'ai fait une vidéo dans les comment on appelle ça, dans la forêt, j'ai ma petite forêt ici que j'appelle la forêt de Banco. J'ai fait la vidéo où j'ai dit les Benguis sans maison en Afrique, vous n'avez pas échoué. Partagez la vidéo. Il y a où mon verre? Regardez la vidéo. Il y a vu ma soeur. Je l'ai vu hier. Je ne peux pas vous mentir. Ça m'a fait pitié. Ça m'a fait pitié. Ce matin, c'est pourquoi j'ai dit toujours hier. Ça m'a fait pitié. En fait, c'est pas elle qui a fait la vidéo hier. Aïe! Pourquoi c'est comme ça? Oh? Je ne comprends pas. Oui, mais c'est ce que je me dis. Je dis... On m'a envoyé la vidéo le premier jour. J'ai envoyé à mon petit qui vient au Canada bientôt. Je l'ai envoyé, je lui ai dit que mais regarde cette dame, elle m'attaque. Elle m'a dit, je ne la. Ce jour, elle a dit une dame qui parle au Canada que j'aime bien. La vidéo, je l'ai enregistrée. Que j'aime bien. Comment on peut ça? Si on veut voir, c'est mon concept, elle a triché. Je n'ai rien dit. Elle a dit bon, comme elle a dit que j'aime bien, laisse-la. Oui, c'est vrai, elle a 100 000 abonnés, mais elle n'est pas suivie. Donc, ne dis pas son nom, ne la prononce pas. J'ai dit, ok, j'ai laissé. Deuxième vidéo, dans le dossier Ividero, elle m'a attaqué. Quand j'ai parlé de plagiat, de tant, elle m'a attaqué, mais elle, ça dit, excusez-moi, de façon chose, elle m'a attaqué. Mais cette fois, elle n'a pas dit mon nom. Troisième vidéo, dans le dossier Zuno, où Zuno est parti au Burkina, et puis nous, on a fait notre papato, et puis on est quitté derrière nous, là. Elle m'a attaqué. Oui, celle qui est là-bas, elle parle des droits de l'homme. J'ai dit, ben dis donc. Donc, ça veut dire que la dame, son problème est sérieux avec moi. C'est là que je consulte quelques personnes. On dit, non, à l'époque, je ne sais pas que tu ne peux pas aller attaquer quelqu'un qui n'est pas suivi. Maman, si c'est ce qui était dit et puis qui t'a choqué, je ne sais pas. Je n'ai pas menti. Tu n'étais pas suivi. Tu avais 100 personnes, 200 personnes. Ça veut dire que tu n'étais pas suivi. Alors que moi, je suis Monica Z, l'impacteuse. Maman, au Canada. Si tu veux, faut pas me suivre, mais tu as bien entendu parler de moi. Maman au Canada, est-ce que ça chauffe? Ça chauffe pas. Tous mes trucs sont au Canada, voilà. Voilà, boisson même, je bois. Il y a quelqu'un qui a dit, donc je finis par t'aimer, pas à faire de Canada, tu peux pas laisser. Voilà, voilà truc de protège boisson Canada. Les trucs de Canada dans cette maison, tu peux pas. Et quand le monsieur est fatigué, il dit, est-ce qu'on peut avec moi? On peut pas. Suivi de quoi? Je ne suis pas suivi, oh. Je suis suivi. Oh. Pour être suivi, il faut te mettre dans les clashs. Il faut traiter les sujets qui vont aller choquer les gens. Sinon, les bons sujets, ils traitent les bons sujets. Mais dans les bons sujets, là, ils mettent chez mes 400, mes 500, souvent 600 abonnés. Si le sujet est buzz, ils mettent chez mes 1000, 2000 personnes. Bref, c'est comme ça que la dame, je ne la suis pas, comme je vous dis, de par les décalages horaires. Elle fait des vidéos de façon saccadée sur moi. Elle me sort. On me sort jusqu'à ce que je vais sauter l'épisode Eka. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est un épisode plus tard. Le temps va nous donner raison. Yesan. Ou bien c'est les gens qui font barbecue là. Je sens l'odeur. Maman,
On a fait le clash des mamans en 45 janvier passé. Je n'ai jamais touché tes enfants. Il n'y a jamais... ça dit, avant qu'on tombe dans le... Ça, les gens n'ont jamais compris. J'explique au moins pour que vous compreniez. Aujourd'hui, les gens disent, on t'en veut. Mais on t'en veut pourquoi? Les gens disent, mais comment vous pouvez vous acharner sur votre soeur? Mais notre soeur n'est pas une sainte. Notre soeur attaque les gens. Les amis, cette dame aujourd'hui qui a fait une vidéo où elle voulait faire un AVC, je n'ai pas dit ton nom. Elle m'attaquait sur mon physique. Elle a été la première à m'attaquer sur mes bras. Tu m'as attaqué sur mes bras ou bien je mens? On m'envoie une vidéo, mais aïe. Mais comment tu as... Ça dit tu es plus âgé que moi. Quand on regarde nous deux nos visages, on sait que tu es plus âgé que moi. Comment tu peux venir attaquer une personne qui est ta petite soeur sur son physique? Maman, mes bras, c'est parce que j'ai maigri. Tu es venu m'attaquer sur mes bras. Si tu as l'argent, va refaire tes bras. C'est ce que tu m'as dit. Donc, comment tu peux venir m'attaquer sur mes bras alors que toi-même, ta tête, on se moque de ta tête? C'est ça. C'est bien beau de venir aujourd'hui sur la toile. Oui, tu as... Ça dit, quand j'ai vu la scène ce matin, non, maman, je ne peux pas te dire que j'ai été... Oui, mais j'ai mis le message pour qu'on comprenne que c'est parti de quelque part. C'est là que je fais maintenant une vidéo. Quand je vois maintenant l'acharnement de l'autre côté, je fais une vidéo pour dire, ah, donc ce n'est pas sur moi seul. Parce qu'à l'époque, quand tu parlais, on ne te mettait pas sur les pages. On t'a mis sur les pages quand tu as commencé à parler de Eka. Si je mens, que quelqu'un me dit, je mens ici. Vous comprenez? C'est tout. Donc, reconnais pour dire que oui, je suis quitté sur ma voie. J'ai quitté ma... Oui, peut-être les gens se moquent. Je ne suis pas de nature à me moquer des gens sur leur physique de façon systématique. Ça, ce n'est pas moi. Je déteste le comportement des Africains sur ce côté-là. Je dis que les Africains sont les seuls qui se moquent du physique des gens. Je le dis. Je le dis souvent ici dans mes conversations, tout et tout. Je dis que les Africains se moquent du physique des gens. Pourquoi vous vous moquez du physique des gens? Dieu nous a conçus autrement. Je reçois 6 familles ici. Chacun a son physique. Voilà l'été qu'elle a. D'autres portent leur truc. Voilà le ventre qui arrive à des kilomètres. Tu penses qu'elle est enceinte? Elle n'est pas enceinte. Elle a mis son bras mince avec son petit truc coupé. Le ventre même est là. Elle vient devant moi. On ne se moque pas. Mais nous, on se moque du physique des gens. Ce n'est pas bon. Pourquoi se moquer du physique de quelqu'un? Dieu nous a conçus à son image. Mais où je suis là, mon visage que j'ai là-haut, c'est pour mon papa ou bien c'est pour ma maman. Si mon nez est gros, c'est pour mon père. Donc, on ne peut pas se moquer du physique de quelqu'un. Je suis contre ça. Vous comprenez? Mais quand tu connais pour toi et puis tu viens te moquer de ta camarade, et puis maintenant, aujourd'hui, c'est bien comme ça. À qui est-ce que tu veux qu'on s'en prenne? Vous comprenez? Tu es venu détruire, tu es venu briser le mythe de la bourgeoisie. Tu as brisé le mythe de la bourgeoisie. Il fallait qu'on reste dans ce mythe-là. Tu comprends? Aïe! Réseaux sociaux, tu penses qu'on allait dire ce qui est vrai sur toi? On n'a pas dit ce qui est vrai sur toi, toujours. Qui m'a dit ce qui est vrai? On m'a dit ce que les abonnés veulent entendre et puis ils vont dire caca, caca, ils vont mettre les emojis de riz, tout et tout. C'est ce qu'on va dire sur toi, même si c'est faux. Tu comprends? Aïe, les abonnés, ils aiment ça. Quand Apuku a dit que je vendais les crabes au marché de Koumassi ou bien au marché, les gens ont ri. Vidéo de réconciliation ne donne pas vu que vidéo où on t'a guinzé. Vidéo où on t'a guinzé là, où on a menti sur toi, où on a fabriqué, ça donne pas. Ça donne plus que vidéo où tu viens, où la personne même vient corriger. Exemple, il est venu corriger. Non, bon, c'est que j'avais dit si Monica, j'avais menti, ça a pas donné. Les gens, quand ils viennent et puis ils voient que tu es venu pour réconciliation, ils vont quitter le direct. Est-ce que j'ai menti ce qu'il dit? Et puis même si, quand il a fini de dire ça, et puis il corrige là, mais les gens qui étaient présents ce jour-là, mais peut-être il y a d'autres qui étaient ailleurs, il y a d'autres qui étaient peut-être partis au marché, il y a d'autres peut-être sa femme était... Tu comprends? Donc ça veut dire que
À un moment donné, chacun reste dans son registre. Comment on appelle ça? Ernestine, il faut laisser affaire de tu vis en France ou bien... Je connais là-bas, il faut laisser ça. Je suis partie 3 fois en France. Trois fois. Et des vacances d'un mois, s'il te plaît. J'ai parcouru, je connais. Faut laisser ça. Faut laisser ça. J'ai dit que je respecte ceux qui vivent en province. C'est ce qu'elle dit. Je le dis toujours. Tu as me dit quoi? Ma soeur, bref, pour conclure. Pour conclure ça. Retourne à tes amours. Retourne à l'art. Retourne à tout ce que tu faisais de... Oui, aujourd'hui, tu as connu ta notoriété, tout et tout. Tu as connu... Tu as fait ta part. Retourne à ça. Retourne. Je m'adresse particulièrement à toi. Je m'adresse à toi. Dis direct, 50 direct, ça rabaisse. Dis direct, 50 direct de clash, ça rabaisse. Et puis quand tu es dans clash là, tu maigris. Quand tu es dans clash là, tu manges nourriture, ça descend pas dans ton ventre. Ça descend pas dans ton ventre. C'est ce qu'elle dit. Que quoi? Quand on avait dit que clash est mieux. Je peux faire 50 clash. Je peux faire 50 vidéos. C'est rabaissant. Ça n'apporte pas quelque chose. Hein? Clash là, tu maigris. Tu es là et puis tu te demandes. Maman, je ne peux pas te dire. Eh là, encore. Ah, les réseaux sociaux. Ça fait maigrir. Quand tu es dans clash là, on voit ton visage. Ton visage devient cancan comme ça. Pourtant, tu dors. Hein? Tu manges les bonbons manger. Mais tellement ton cœur bat. Tu te dis que les gens qui sont en face là, est-ce qu'ils vont réagir? Tu es aux aguets. Tu es sur le téléphone. J'ai vécu ça, ma chérie. J'ai vécu ça. Le jour que tu as fait, j'ai fait le premier bim sur toi. Premier bim, j'ai fait. Et puis tu as dit non. Moi, je n'ai pas pensé que ce que j'avais fait, mais ça t'avait fait mal. Je suis étonnée que toujours tu reprennes ça. Hein? Le premier jour, j'ai fait bim sur toi. Premier bim là. Que tu as dit que non, on te voit dans les musées tout et tout. J'ai dit bon, elle a normalisé, c'est pas grave. Je dormais comme ça. J'ai dit, je dormais un œil de ce crocodile là. Le crocodile est où? Viens ici, toi, le crocodile. Viens là. Ça va? Tu veux là-bas? Tu veux venir? Mais les cheveux ne sont pas couverts là. Je dormais un œil de crocodile comme ça. Attends, j'avais dit à mes soldats, si elle fait vidéo, dites-moi. Je te parle comme une soeur. Je mets dans l'humour, mais aujourd'hui, c'est pas pour. Je te dis, il n'y a rien dans tout ça là. Il faut couvrir les cheveux, oh ma chérie, j'ai souffert pour faire les cheveux là. J'ai deux messieurs, vous savez, hein, tu penses que tu es Gangaba? Comment on dit Gangaba ou Gangaba? Et puis, je dormais jusqu'à tu as fait ton deuxième, vous riez. Et puis, tu as fait ton clash maintenant. Maintenant, la personne m'appelle, la personne me dit, les bacteuses, est-ce que tu sais qu'elle est sortie? J'ai dit, et puis, je me suis levée quand je suis couchée dans le fauteuil ici. On est fatigué, on n'a pas les gens. Maman, si tu as déjà dépassé 45 ans, dans 5 ans, tu seras dans 50 ans. Vous êtes là, je vous vois, vous riez. Maman, je te parle. Faut quitter dans ça. Quitte dans ça. Si elle est baisse, viens parler. Si elle est baisse. Viens parler comme moi. Viens parler, mais tu prends plus au premier degré. Fais d'une manière un peu. Puis bon, ça y est. On a commencé en un an, on a tout compris. J'ai dit, je dormais là. Et puis la personne est venue me dire, les parteuses. Elle a fait la vidéo. J'ai dit, quelle vidéo? Non, elle a fait tant, tant, tant. J'ai dit, quelle vidéo? Je n'ai pas, je suis même pas allée écouter ta vidéo. Tout de suite, je me suis mise pour la deuxième vidéo. Mais toute la journée, j'ai manigancé. Comment je vais faire? Parce que quand tu es en classe, même sommeil. Hey, Lolo Beauté est la reine des réseaux sociaux, qu'on est. Même sommeil, même. Tu as cherché comment tu as mis ton plan, comment tu as fait tant. Tout ça, c'est fatigant. Attends, les abonnés, ils sont là, ils guettent seulement. Comment on appelle ça? Carla Enzo. Oh, là, là. Oui, quand je. Non, pour la partie. Ça dit, j'en ris. J'en ris parce que. Ça dit, c'est des erreurs qu'on commet sans s'en rendre compte. Elle va s'en rendre compte, mais ce n'est pas aujourd'hui.
Elle va s'en rendre compte un matin, elle va dire non, je suis dans mon coin, je fais mes affaires. Elle va s'en rendre compte, c'est sûr. Est-ce que quand on traîne ses enfants dans la boue, elle aime ça? On traîne son mari, on vient lui coller une étiquette. Oui, elle a été... Non, mais attends, qui va être à l'aise avec ça? Parce que les abonnés, je leur ai dit, si elle sort, dites-moi, mais dites-moi là, j'ai dormi. Je suis couché dans le fauteuil ici, c'était un dimanche ou bien quand. J'ai dormi, vous me voyez quoi, le sommeil me prend la journée facilement, mais c'est la nuit, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, le sommeil est devenu quelque chose. Hey! La personne m'appelle, ah! La personne comprenait pourquoi depuis que je ne suis pas sortie, gars, moi je dormais. La personne m'a dit, ah! Elle est sortie, hein. J'ai dit, sortie de quoi? Elle a fait une vidéo, j'ai dit, ah oui! Coucou. Bon, j'étais déjà prête. Tout et tout. Vous comprenez? Tout ça, c'est du stress. Tu manges même manger ton pas dans ton ventre. Tu ne dors pas bien. Parce qu'il faut que tu cherches. Oui, elle m'abîme. Il faut que je vienne l'abîme. Hé, maman, les Ivoiriens, on est fort. Non. Tu comprends? Et puis, le problème, c'est que avec moi, j'en veux plus les abonnés. Hein? Je ne les en veux plus. C'est avant, on disait non, les abonnés, vous mélangez les gens, tout et tout. Mais mon cher, les abonnés sont là, ils jouent leur rôle aussi. Ils jouent leur rôle. L'autre a fait, ce jour-là, quand elle a fait là, il y a combien de personnes? Selon ce qu'on m'a dit, il n'était pas sur ce direct-là. On dit, yes, on dit, il y a 5 000. Qui parle là-même? On dit, il y a 5 000 personnes. Hein, les abonnés là, c'est ça, hein? Il y a 5 000 personnes, avec les... même si ce n'est pas partagé, mais il y a eu 5 000 yeux qui ont regardé. Donc, ah, maman, pardon, pour regarder les enfants. Regarde le côté des enfants. Vous comprenez? Ah, j'ai quitté les clashs. Jour où je suis là, sachez que le pain de l'impacteuse est à Abidjan. Le pain est à Abidjan. Payez le pain, j'ai complété. Quand vous allez payer là, les pains ne sont pas beaucoup, hein, vous voyez pas le pain, le pain n'est pas beaucoup. On m'appelle depuis là, c'est affaire de pain. Quand on va payer les pains là, j'ai complété dessus pour faire une œuvre à Abidjan, c'est tout. Donc, il faut laisser tout ça là passer. Reste dans ton coin. Fais tes petits trucs avec les filles. Fais des petits trucs avec les filles. En fait, je suis riche, il faut laisser ça. Tu n'es pas riche. Tu n'es pas riche. J'ai dit que j'ai vu riche à Atlanta. Faut laisser. C'était un Africain. Hein? Aïe. La personne qui m'a reçu à Atlanta m'a dit que la personne travaille à la NASA. J'ai dit, quelle NASA? Il dit NASA que tu connais. J'ai dit, quoi? Un Africain travaille à la NASA? Il dit, Monique, oui. J'ai dit que quand on est arrivé devant la résidence, moi-même, j'ai tiqué. À l'époque, c'est aux États-Unis, donc je ne peux pas dire que je conduisais. Je pense que... Est-ce que j'avais déjà... En tout cas, on est arrivé, j'ai dit, wow! J'ai dit, dans la maison, il y avait peur de m'asseoir. On a déjà vu riche. Nien, un Monica, tu n'as pas l'argent. Tu n'es pas riche. Tu as un confort de vie. Les filles en Afrique rêvent tous de marier des blancs. Donc, c'est ce que tu utilises pour dire que tu es riche. Sinon, Monica, tu n'es pas riche. C'est pas pour t'insulter, mais c'est ça qu'elle a. Voilà. Puis quand on est riche, on dit qu'on a de la richesse là. Désolé, tu n'es pas riche. Les filles là-bas, des écervelées qui sont là-bas, elles rêvent là-bas. Qui croit que tous les blancs sont riches en Occident, c'est elle que tu intimides malheureusement. Voilà, c'est ça, ce côté-là, je te le conseille, on est sur les réseaux sociaux. Ceux qui veulent croire des bobards, qui veulent se retrouver dans n'importe quoi, eux, ils peuvent se retrouver dedans. Tu comprends? Allô, Cathy, ça va? Ok. Comprends? Donc, c'est ça. Donc, je t'en veux pas pour ce côté. Tu peux faire tes trucs. Bah, j'ai cru entendre quelqu'un me dire que non. Elle a dit sa richesse. C'est pas qu'elle a l'argent, mais c'est juste qu'elle se sent bien dans sa peau. Ok, c'est beau. C'est correct. Voilà. Donc,
Il faut reculer. Reste dans ton coin. Garde des personnes qui ont été vraiment... Ça dit que toutes ces personnes qui ont été loyales, ces gens qui ont été trop, très loyaux avec toi, garde-le dans ton sac. C'est pas le but, c'est que tu te sépares d'avec. Non, reste avec ces personnes. Mais fais ton blog. Quand tu peux parler, tu peux rester en inbox avec eux, tout et tout. Fais ton blog, mais de façon individuelle. Fais ton blog de façon... Reste comme tu étais. Moi, l'impacteur, je ne t'ai pas attaqué tout et tout gratuitement. C'est parce que tu m'as attaqué, Nien. Tu étais la première à m'attaquer. Voilà. Dis ça souvent aux gens. Ben, les gens ne comprennent pas. On a même envoyé ta vidéo à mon mari. Mais comment on fait ça? Qu'est-ce que ta femme a fait à cette femme-là? Mais dis-leur que tu as été la première à m'indexer. Tu ne le dis pas. Tu ne dis pas aux gens qui t'ont pris en marche. Tu ne le dis pas aux gens qui t'ont pris en cours. Tu comprends? Maman, il n'y a pas riche sur Facebook. La lolotte, elle, bon, elle vend ses choses, c'est correct. Quand elle dit la lolotte, tu parles de Lolo Beauté. C'est correct. Nous, on apprécie. Les pauvres lots et les pauvres lettres. Ça, c'est elle, ça. Vous comprenez? Si je savais qu'à l'époque, le fait qu'on peut utiliser ton nom pour parler, pour faire vidéo, maman, je n'allais jamais te répondre. C'est quand je t'ai répondu que c'est parti dans tous les sens. Mais des gens, comme a dit un tonton à Atlanta, il m'a dit, mais c'est quand toi tu lui as répondu que nous on est allé voir. C'est là que j'ai compris que j'avais commis une erreur. C'est ce que le tonton m'a dit à Atlanta, tu ne le connais pas, mais ce tonton, il connaît très bien ton papa. C'est même celle-là, dont j'ai dit le nom. C'est-à-dire, le jour où j'ai fait la vidéo, j'ai dit, je ne vais jamais te répondre à cause de celle qui est au Canada. Même tout ça, tu n'as pas regardé. On laisse les clashs. Maman, je ne fais plus les clashs. La vie est belle. Voilà, ça, je ne fais pas clash. Je suis en train de parler tranquillement. Sans dire ton nom, je n'ai pas prononcé ton nom ici. Edith Yvonne, je t'ai laissé un message. Sachez que le pagne de l'impacteuse, le pagne à la photo de l'impacteuse là. Retourne à la lecture, Nia. Moi-même, je suis une passionnée de lecture. Retourne à la lecture. Les Africains n'aiment pas la lecture, les Ivoiriens ne lisent pas beaucoup peut-être. Mais il y a beaucoup d'intellectuels dedans. On est beaucoup d'intellectuels. On a vu le bien que tu fais sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. À l'époque, tu n'étais pas suivi quand tu faisais la lecture. Tu as bien dit. Je n'ai pas menti sur toi. Quand c'est... Quelle est sa phrase qu'elle avait dit? Quand c'est intellectuel, c'est lent. C'est toi qui as dit ça. Un ne m'aïe ça. Maman, je ne t'ai pas insulté. Quand c'est intellectuel, c'est lent. C'est toi qui avais dit ça dans un de tes directs. Mais quand c'est intellectuel, c'est lent, ça prend du temps. Tu as vu que j'ai combien d'années sur les réseaux sociaux? J'ai un an et quelques sur les réseaux sociaux. Maintenant, j'atteins les 100 000 abonnés. D'abord, moi, je fais mes vidéos par créateur. Les créateurs ne donnent pas de partage. C'est les directs qui donnent de partage. Donc, il y a ça aussi. Je n'invente pas. Quand elle va écouter ma vidéo, elle va savoir que je ne mens pas. Quand c'est intellectuel, c'est lent. C'était tellement bien dit, cette phrase-là. Tu étais dans le vrai quand tu as dit ça. Le homard. Qui avait pensé que lui, il pouvait contre le crocodile. Tu comprends? Non, je ne peux pas avoir quelque chose de mauvais avec... Tu comprends? Frère, tu comprends? On va te dire, on va aller regarder, j'ai fait 3 vidéos. J'ai fait la première vidéo, après j'ai fait les deux clashs. Après ça, j'ai dit, il ne fait plus. Tu as fait combien de vidéos? Il n'y a pas une vidéo où tu fais où tu ne dis pas mon nom. Les gens me disent, j'ai dit, c'est pas grave, laissez-la. J'ai compris ton but. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu vois, comment? Est-ce que toi on te regarde là, ça dit, il y a des gens même qui parlent, qui prononcent ton nom, qui te disent n'importe quoi. Est-ce que dans la vraie vie, ils peuvent te parler là? Ils ne peuvent pas te parler, mais malheureusement. Donc, Nia. Edith Yvonne. Ok. D'accord.
Non, je clash pas. Je peux pas la clasher. Je peux. J'ai dit, elle fait plus de clash. Elle fait plus de clash. Ah, le Bacardi aussi, il y en avait un mojito. Ah, c'est bon en tout cas. Après, il y a mes frères. Mon chien, c'est l'été. On veut se faire plaisir. Non, les frères, frères, je ne viendrai pas. Mon petit frère. Voici quelque chose que je n'ai pas apprécié, mais est-ce que tu as vu que j'ai parlé? Je n'ai pas parlé. Mon petit frère, ah, Poutou, il est mon petit frère. Parce qu'on dit, il a combien? Il a 30 ans. Il est mon petit frère toujours. Il m'a rejoint, il m'a parlé. Ah, Poutou, ça dit, oh là là, quand cette dame a fait cette vidéo, au départ, je n'ai pas vu sa vidéo. J'ai une petite que je suis sur les réseaux sociaux qui est claire, qui a une brèche comme ça, là. Elle est bien claire, là, elle vend les produits. C'est elle, j'ai vu qu'elle fait une vidéo où elle parlait de toi. Elle t'a interpellé. J'ai dit, aïe, les gens aussi aiment chercher vu. Oh. Pourquoi on s'en dit le nom? C'est là que je vais comprendre que tu allais attaquer Apoutou sur son truc. Mais il nous a rejoint dans le inbox. Il nous a expliqué son concept. Il nous a tout dit respectueusement. Le Apoutou que vous voyez sur les réseaux sociaux, je l'ai déjà dit, ce n'est pas le même Apoutou. Apoutou, Aya Robert, c'est deux. Ça dit, Aya, vous pouvez percevoir Aya comme vous voulez. Aya, sa voix ne s'élève pas dans les inbox. Aya, ça dit, juste quand j'ai dit Aya, donc tu avais ce côté-là. Et puis, il y a le côté derrière. Mais comme moi, je suis blogueuse, je connais l'autre côté. Apoutou, il te parle respectueusement. Même quand on a dit Apoutou m'a attaqué, j'ai dit, mais c'est le garçon le plus respectueux quand il te parle. Apoutou ne m'appelle même pas l'impacteuse. Il m'appelle la vieille. Il m'appelle maman. Ou bien grande sœur. Souvent, il dit tanti. Souvent, il ne m'a jamais dit l'impacteuse. Tellement il respecte. Donc, comment j'ai dit, aïe, mais s'il t'a rejoint dans le inbox, que tu as changé d'avis, c'est correct. Mais tu reviens dans le inbox pour lui parler. On ne vient plus sur la toile. Moi, le premier jour, pour tu m'as rejoint, le lendemain, je lui ai dit non, je ne pourrai pas parce que j'ai une obligation familiale. Ma nièce ou bien des impactés très, très fort vont prendre mon prix si j'en ai. C'est tout. Aussi clair que ça. Bon, on avait saisi ici parce que ça. Donc, nia. J'ai conclu mon direct. On est à combien de minutes? On est à combien de minutes? Direct, on n'a pas besoin de dire partager. Parce que ça a été déjà partagé, les gens vont recevoir. Donc, c'est ça. Oh. Attends. Bon, je profite pour nettoyer maintenant, comme on a fini. Donc, c'est ça, Onya. Faut te retirer. Faut te retirer. On a dit que moi-même, je vendais les crabes au marché de Pabwe. Pabwe, un quartier que je ne connais pas. On a dit que je vendais les crabes. Aïe. Donc, tout ça là. Parce que tu as laissé la lecture. Tu as laissé la lecture et puis tu es venu. Donc, si tu as laissé la lecture, que tu es venu, on va te prendre en bas des maniocs. Tu as laissé ton champ de prédilection. Ma nièce Chanel Tinetage. Chanel Tinetage, on a laissé la lecture. On a laissé les bons sujets. On est venu. Ils ont dit que. Poudjou a dit. Ça, il aime faire de l'humour. Il a dit que je vendais les crabes. J'ai une amie qui était fâchée. Elle est venue sur son poste. Elle a dit, ah, mes belles soeurs en France, aux États, elles ont commenté. Pour dire, petit, tu es un menteur. J'ai dit, ah, lui, la fille ne fait. Pendant qu'il est en direct, là, lui, il ne regarde pas tes commentaires, tu es un menteur. Ou bien, même s'il voit le commentaire, il ne regarde pas, il fait comme s'il ne voit pas. Lui, il regarde le nombre de vues, les yeux qui le regardent. Aïe, comme je l'ai dit à ma petite, j'ai dit, c'est quand vous avez créé ce mensonge sur moi, moi j'ai su qu'on peut mentir sur les réseaux sociaux. Aïe, quand vous avez dit que non, et comment on appelle ça? Son mari là, c'est le mari de sa tante. C'est là que j'ai su que donc on peut mentir sur les réseaux sociaux. J'ai dit que c'est faux, tout le monde sait que c'est faux, mais aujourd'hui il y a d'autres qui croient à ça. Non, mais c'est la vérité, elle dit. Aïe, j'ai pris ça pour me fâcher. Je ne me fâche pas, ça.
En tout cas, moi, un film de 10 pour moi. Oh. Si tu veux, demain, tu sors vidéo, tu fais 10 vidéos. Il ne regarde pas tes vidéos. Aujourd'hui, il a vu ta vidéo parce que c'est apparu chez quelqu'un là-bas. Donc, ça veut dire que toutes les 10 vidéos que tu as faites sur moi, c'est ça. Faut rester dans ton coin. Fais tes choses. Tu restes avec tes amis. Reste toujours avec tes amis. Parle avec tes amis. Quand même, ils t'ont soutenu dans cette tempête. Ils t'ont soutenu dans cette tempête-là. Donc, reste avec elle. Mais fais attention. Fais attention. Reviens à tes anciens sujets. Mais tu n'es pas riche. Tu n'es pas riche. Yeah. Tu n'es pas riche. Faut laisser à faire des sur-riches là. Je suis riche. Bon, moi, je vois. Ça dit, les Ivoiriens, on est fort dans ça. Dans précaire, là. On a pris précaire aujourd'hui pour se moquer. Mais on parle toujours de ça, les îles. Des familles vivent dans la précarité, tout et tout. C'est pas un nouveau mot. Mais comme c'est lié à des injures, donc on prend maintenant pour. Oh, les, non, les Ivoiriens, on est fort. Ah, mouignia, mon Guarani, qui m'a couché. Là, là. Aujourd'hui, c'est le mot qui est venu maintenant. On prend. Comme si on n'avait jamais entendu ce mot. On a entendu, mais bon. Laissez tout ça. Laissez ça. Donc, ma chérie, pour revenir à tes livres. C'est les vacances. Nous, juillet, là. Maman, tu n'es pas riche. Faut laisser à faire des sur riches, là. Moi, les pasteurs te disent, tu n'es pas riche. Tu n'es pas riche. J'ai vu des riches à Atlanta. J'ai vu. J'ai vu une famille riche, une famille africaine. Enfin. Il n'est pas un chimiste à la NASA, hein, mais il travaille à la NASA. C'est ce jour que j'ai compris que donc des particuliers peuvent travailler. On dit, mais la NASA, c'est une entreprise. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Hein? My God. Vous savez, j'aime même mes choses dans l'humour, mais c'est la vérité, ce que je vous dis. Atlanta, il y a 5 ans de cela. J'ai. En ce moment, moi, je suis parti aux États avant le roi. Hein. Moi, j'ai parcouru 7 États aux États-Unis. Parmi vous, sur les réseaux sociaux, qui a parcouru 7 États? Qui a parcouru déjà 5 États? Il y a dit, j'ai parcouru 7. Il y a déjà cité les États ici. Il y a déjà parcouru ça. Je connais l'Europe. Vous parlez, mais vous ne connaissez pas le Canada. Vous ne connaissez pas les États-Unis. Vous voulez parler avec moi. C'est ça le problème. 7 États. Il y a dit, aïe. Mais pourquoi on ne le connaît pas? Pourquoi on n'a jamais entendu son nom? Toute naïve, là, je pose la question. La personne dit, mais la NASA, c'est une entreprise comme toute autre. Mais Monique, on a entendu parler du comment ça? Le Malien, là. Ah, on a un vieux Malien. Dites-moi son nom. J'ai dit, mais lui, on le connaît. On dit, mais on le connaît parce qu'il est dans les recherches. Il est dans, lui, il n'est pas dans les recherches, mais il travaille à la NASA. J'ai dit, ah, d'accord. OK. Et puis, je suis là, derrière la voiture. J'ai dit, il travaille vraiment à la NASA. On dit, allons, tu vas voir. Le monsieur, il n'est pas vu. Il ne faut pas y mentir ici qu'il l'a vu. Parce que les vidéos circulent. Il sait maintenant qu'il fait vidéo. Il ne faut pas y dire, mais est-ce que le jour que tu es venu, tu m'as vu? Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai trouvé sa femme. J'ai trouvé sa femme avec ses enfants dans une résidence à Atlanta. S'il vous plaît. Il a dit que j'ai respecté. J'ai respecté. J'ai dit, quand je suis venue maintenant, vous connaissez les femmes, non? Quand on découvre quelque chose plus qu'avant les hommes, là, j'ai dit, papa, en tout cas, il y a des gens qui sont riches d'eux. Je suis partie, on m'a montré un couple africain, là. Et puis maintenant, quand il parle à lui, je lui lance ça. Il dit, mais qui t'a montré ce couple? Ce n'est pas mes parents qui t'ont montré là. Toi, tu as tes parents qui connaissent là-bas. Ce sont mes parents qui t'ont envoyé là, mais tu vas prendre ça encore pour venir te moquer de moi. Il dit, le jour que moi, je suis prêt à partir aux États, et c'est ça, c'est précis. Donc, rien. Je te conseille tout ce qui t'est arrivé. J'ai de la compassion de loin. Je ne cherche pas ton amitié. Je ne veux pas ton amitié. La preuve, je ne t'ai pas présenté d'excuses dans cette vidéo. Je ne te présenterai jamais d'excuses. Parce que tu as été la première à m'indexer. Mais je peux baisser la garde avec toi. C'est sûr. Kani Gesaheri, son maman, Marival, ton frère, il me dit ça. Il dit, hein. Qui t'a envoyé aux États? Il dit, tu es parti aux États, là, c'est chez tes parents, tu as dormi. C'est pas chez mes parents là-bas, tu as dormi. Hein? Je connais les États-Unis. Il y a qui de tes parents aux États-Unis là-bas? Tes parents, ils sont remplis en France là-bas, les menteurs de France, là. C'est pas, ce sont tes parents qui sont là-bas. Moi, mes parents sont aux États-Unis. C'est ce qu'il me dit. Donc, oui, c'était des vrais riches. Très silencieuses. On m'a bien reçu là-bas. Donc, laissez. Tu n'as rien.
Tu as une belle vie, tu as une qualité de vie. Je vais te mettre dans la qualité de vie. Je te mets dans la qualité de vie. Mais tu n'es pas riche. Laisse affaire des riches, là. Tu n'es pas riche. C'est pas parce que tes enfants nagent dans une piscine, tu as dit que tu es riche. Faut laisser affaire des si riches, là. C'est je suis riche, là, qui t'a créé tous les problèmes sur les réseaux sociaux. Moi, on sait que je suis maman en Canada. Je respire Canada. Moi, c'est Canada. Pareil, c'est Canada qui est là. Voilà. Voilà, ça c'est moi. On peut pas. Quand on donne les surnoms sur les réseaux sociaux, moi je suis maman en Canada. Maman en Canada. Voilà, c'est ça. Donc, laissons ça tomber. Laissons tomber. Au point, on va faire quelqu'un va avoir un ABC sur les réseaux sociaux. Voilà. Sur ce, je vous aime. Prenez soin de vous. Le riche ne fait pas direct. Y a pas un... Le riche ne fait pas direct. Les riches, là, comment vous appelez Snapchat? Maman, je ne vais pas là-bas. Ma tête est déjà chargée dans tout ce qui est là déjà. Ma tête est déjà chargée même dans tout ce qui est déjà là, là. Bon, là, j'ai fini. Là, j'ai allé allumer le feu. Est-ce qu'une riche allume le feu pour faire barbecue avec charbon? Le roi m'a demandé, il a quitté la chérie. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai deux directs. Il dit, non. Quand j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as prévu quelque chose pour moi? Bon, une riche comme moi, j'ai dit que c'est riche. J'ai fini de faire direct le site. Je m'en ai les maillots là. Je m'en prends les trucs avec charbon avec mes doigts. Est-ce qu'une riche fait ça? Une riche. Je suis couchée comme ça. Et puis, mais c'est pas, il m'a fait barbecue tout de suite. Le monsieur lui dit rien, il parle pas beaucoup. Mais quand il va se réveiller, il faut que son... Il mange avant de partir au travail. Donc, je suis pas riche. J'ai qualité de vie. Je suis pas riche. Donc, laissons ça. Le jour que je vais venir sur la réseau, c'est que je vous dis, je suis riche. C'est que j'aurais acheté peut-être, je dirais... Parce que mon voisin à côté, je parlais avec lui. Allô, Cathy? Salut, ça va? Ouais, oui, on profite, hein? On profite du beau temps? Ben oui. Parce que ça va vite. Donc, vous comprenez? Mon voisin a dit qu'il a acheté un chalet. Est-ce qu'il a acheté un chalet, mais il n'est pas encore riche? Pourtant, il a le chalet. Une résidence secondaire. Il n'est pas riche. Pourtant, sa maison est plus grande que moi. Donc, voilà. Ma voisine. Je vous avais dit, l'été, on dit allô. Vous avez vu, j'ai dit allô à Cathy. Je ne suis pas une menteuse. Donc, je ne suis pas riche. Je m'avais fait le charbon, sali mes mains, préparer le barbecue du roi. Doux et tout. Donc, c'est ma réalité, je vous explique. Nya, faut te calmer, ce n'est pas grave. Faut pas faire comme ça. Surtout que les petites filles étaient derrière hier. Quand tu as fait la vidéo, c'est pas bon. Bon, je vous aime. Vous aussi, vous aimez ça. Quand c'est les choses, quand vous riez seulement. Les réseaux sociaux. D'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui est riche ici. Laissons ça. Laissons. Je prépare mes bagages. Je ne prépare mes bagages pour partir. Là, il m'a dit maintenant, j'ai fini de faire les flaflas dans la piscine. La réalité va me rattraper. Le monsieur, il dort. Il a travaillé de nuit. Il m'a accompagné. Hey, je ne suis pas riche. Qui a dit ça? Vanessa, hey, je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Je parle de qualité de vie. J'ai toujours rêvé que devant ma maison, il va y avoir des fleurs. J'ai dit, j'étais encore dans la galère, j'ai dit, moi, je veux une maison où il y a des fleurs devant. C'est pour ça que j'aime les fleurs. Chaque été, maman est venue ici, elle dit que j'ai dit, vos fleurs là même, ça fait 2 mois, vous dépensez là dedans. J'ai dit, maman, c'est dans l'esprit. Moi, je veux qu'il y ait des fleurs devant ma maison. Des fleurs bien, tout et tout. Un beau voisinage, le gazon bien coupé. J'ai dit, d'accord. Mais c'est sûr, je ne suis pas riche. Tant que tes parents au pays te demandent l'argent là-bas, en désordre là-bas, tu es en Occident et puis tes parents te demandent l'argent, c'est que tu n'es pas riche. Il s'est dit qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait là-bas. Il y a un besoin qui n'est pas satisfait, puis je vais me proclamer riche. Hein? Le besoin n'est pas satisfait. Il y a un de tes parents qui a besoin. Donc, je ne suis pas encore riche. La famille de Oufo Boigny, on avait fait quand même pour satisfaire un peu de tout le monde.
Mais ben vous riez, est-ce que ce qu'elle dit c'est faux? Ce qu'elle dit c'est pas faux, je sais pas là. Bon, j'ai l'argent, ma famille est, je sors d'une famille riche, tu sors d'une famille riche, mais n'a payé bien ou bien aux 2 semaines. Quand on dit n'a payé bien, ça veut dire que quand la fin du mois est arrivée, on t'appelle pour dire j'ai tel problème. Donc si tu enlèves l'argent en Afrique, et ça dit en Occident, il y a pour envoyer à ceux qui sont en Afrique, donc il y a un besoin qui n'est pas comblé là-bas, tu n'es pas riche. Tu n'es pas riche, Nia. Tu n'es pas riche. N'oubliez pas, hein, la fille du général, notre patron, elle a eu le bac français, ils ont précisé. J'ai dit, ah, donc bac de là-bas, hein, bac français, hein, bac de là-bas, c'est pas pareil. Donc l'impacteuse fait son atalakou de son Canada. Parce que bac canadien aussi, là, c'est ça. Bon, tu es riche. Tu as construit quoi? Des maisons pour tous tes parents là-bas. Faut quitter dans ça. C'est ça qui t'a créé tous les problèmes. Et puis bon, on t'a rabaissé comme ça. On t'a traîné dans la boue, je dirais. On t'a trop traîné dans la boue, c'est pas bon. Je suis riche. Mais tu as dit que tu es riche là-haut. J'ai relancé encore. Mais... Et où, sont où les résidences en Afrique? T'as-tu une maison? Je sais pas, sur la Côte d'Azur. Montre-nous. Ça dit, non, fais pas ça, Nia. Pense aux enfants. Père, pense aux enfants. Pas que tes filles soient traînées dans la boue comme ça. Pas que ton mari soit traîné. Moi, on a dit quoi de mon mari? Comme a dit mon mari, moi je ne regarde pas vos réseaux sociaux. Non, ce n'est pas mon problème. Moi je travaille, c'est un maudit du travail. Il y a qui te sait mal travailler. Si elle vient seulement, ma nourriture n'a qu'à être prête. C'est tout. Il dit si ma nourriture est prête là. Le rôle n'est pas compliqué. Hein? Quand il est venu le matin, il m'a aidé à faire le ménage, tout et tout. Ils sont baissés. Il m'a aidé à faire le ménage. Maintenant il dit chérie, qu'est-ce que tu fais de la journée? J'ai dit j'ai 2 directs. Il dit hey, je ne vais pas parler de ton direct. Qu'est-ce que tu as prévu? J'ai dit, ah, peut-être que je vais faire un barbecue. Il dit, hein, finis tes flafla. Puis après, tu dis, donc j'ai fini là, il m'a fait son barbecue. Donc, il faut laisser ça, il faut laisser. Comme je t'ai dit là, il faut laisser. Quand on est riche, on prend un pavillon détaché. Je te dis, tu prends un pavillon détaché quand on est riche. Je parle de pavillon, je parle d'en France. Je parle de la France. Ici, on parle de bungalow, on parle de cottage. Moi, par exemple, j'ai un bungalow, mon voisin a un cottage. Voilà. On n'est pas riche pour autant. Mais tu ne peux pas vivre dans un appartement où on vient taper, le voisin vient dire tu le déranges. Ça veut dire que la maison n'est même pas insonorisée. Arrête. Arrête de te créer trop de problèmes sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas riche. Ton voisin est venu te frapper. C'était comme, wow! Si elle veut, je crie. Si elle veut, je fais, hola! Comme dans la forêt. Quand j'étais petite, vous savez que mon père aimait nous avoir au village. Je déteste ça! Et puis, quand on arrive le premier jour, et puis, hola! Dans la nuit. Tu sais que tu as un mois à taper dans hola. Il ne va pas te ramener en ville avant les 1 mois. Fais ça, hola! Mais oui, je suis là. Si elle avait écrit, voilà! Voilà! Si elle avait écrit dans la maison, quand je parle moins dans la maison, c'est parce que j'ai fait mes vidéos à 6h, Wendy dort. Il faut respecter le sommeil des enfants. Mais tu étais un peu énervé, pas trop. Je ne t'ai pas vu crier. Mais le voisin est venu frapper. Ta maison n'est pas insonorisée. Tu n'es pas riche. Tu n'es pas riche. C'est ce qu'elle t'a dit. C'est ma fin qui est là. Voilà. On sait comment vous payez les vêtements. Ça peut payer deux étapes. C'est correct. Je respecte même ça. Parce que ça veut dire que quand tu payes en deux étapes, tu fais attention aux finances. J'aime ce côté-là. Mais viens pas dire. Mais malheureusement, c'est celles qui sont en Afrique qui croient que tous les blancs sont riches. Tu n'es pas riche. Donc, calm down. Calm down. Retourne à la lecture avec les enfants. On aime ce côté. Si tu as bien remarqué, ce commentaire est revenu. Longtemps, tout le commentaire revient tout le long. Tu faisais la lecture. Tu croyais que les gens ne s'intéressaient pas à toi, alors que les gens s'intéressaient à toi dans la lecture. Donc, retourne à la lecture.
Nous à ma vous allez lire. Nous toi et les enfants. Pareil, tes enfants sont mes enfants. Tes filles sont très adorables. J'ai étudié l'adolescence, donc quand je vois tes filles, ça fait plaisir. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller me mouiller les mains avec le charbon. Allez, je dois faire la nourriture. Hein. C'est bien beau de faire les flaflas dans la piscine, mais le monsieur attend sa nourriture. Il m'a dit, quand lui se réveille, ça y est là. Les légumes bien découpés, tout et tout. Allez, fais ça. Arrêtez de rire. Mon Guarani qui m'a couché. Ce monsieur, il s'en fout. Il dit, je ne suis pas dans ça. Pour finir tes trucs, tu vas venir préparer ma nourriture. Donc, je vais vous laisser. Soyez bénis. Prenez soin de vous. Il n'y a pas besoin de vous dire partager. Ma vidéo s'adressait à ma soeur, une seule personne. Elle va voir la vidéo. Elle sait qu'il n'y a rien de méchant dedans. Je suis riche qui a fatigué les Africains. Laisse ça. Vous laissez, je suis riche là. Tu n'es pas riche. Bon, j'ai porté ça. En tout cas, je vous aime. Prenez soin de vous. Ciao. Merci. Vous avez ri un peu. Merci beaucoup. Au revoir.